Eh bien, bonsoir à tout le monde. Voilà, bienvenue dans cette nuit de la lecture, après des spectacles, après le café lecture. Eh bien, le café lecture, nous arrivons à l'écriture, dans cet atelier d'écriture. Bonjour à tous. Alors, nous sommes dans deux univers. Il y a l'univers Zoom, où on a donc des participants, voilà, qui se sont inscrits et qui vont être interactif dans l'écriture et pouvoir partager avec moi directement leur écrit dans la discussion. Et vous qui êtes là sur la chaîne YouTube de la ville de Sens, et vous pouvez aussi commenter sur la chaîne de Sens hein, dans YouTube. Et les bibliothécaires vont me transmettre au fur et à mesure vos propositions avec 20 secondes de décalage. Donc, vous inquiétez pas si c'est lu dans un petit décalage. Voilà, il faut que ça passe par tous les tuyaux. Mais vous pouvez aussi via la chaîne YouTube suivre les ateliers et puis vous exercer chez vous à jouer avec les mots. Donc, bienvenue. Donc, je suis Corinne Mazuire. Donc, je suis animatrice d'ateliers d'écriture ludique et créative et de récit de vie. Mais ce soir, on est vraiment dans le ludique et créatif. Voilà, on est là vraiment pour jouer avec les mots et s'exercer à partir de petites propositions que l'on va découvrir pendant une petite heure ensemble. Donc, merci aux participants qui sont présents à l'écran et merci à vous tous qui êtes là via la chaîne YouTube pour nous accompagner en écriture. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'un atelier d'écriture ludique et créative? Peut-être que certains parmi vous sont là avec nous pour la première fois, sont là par curiosité, parce qu'on n'ose pas toujours pousser la porte d'un atelier d'écriture ludique et créative. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans un atelier d'écriture? Eh bien, c'est un lieu où chacun a son univers, chacun a son style. On n'est pas dans une école d'écriture, donc il n'y a rien de juste, il n'y a rien de faux. Ça, je le dis pour les familles qui nous suivent peut-être ce soir, hein, et les enfants, on n'est pas du tout là pour noter quoi que ce soit. Vous allez chacun expérimenter, jouer, et puis vous vous laissez porter par votre univers. Et en famille, bah, les grands peuvent écrire pour les petits, hein, on peut se faire des duos d'écriture à la maison, ça fonctionne complètement. Alors, comment ça va se passer? Il va y avoir des petits temps d'échauffement. C'est comme quand on fait une activité sportive, hein, on ne commence pas à faire à fond son activité, on s'échauffe tout doucement. Et bien, en écriture, moi, je trouve que c'est pareil. Donc, on pose des mots, etc. Et ça vous fait un petit stock de mots. Et puis après, vous aurez ce soir deux petites propositions d'écriture. Et puis après, il y aura des partages de textes. Donc, peut-être que des participants qui sont là dans le Zoom prendront le micro et liront leur texte. Voilà, parce que lire son texte, c'est aussi l'entendre. Flaubert utilisait le gueuloir, hein, le gueuloir de Flaubert, parce que quand on lit son texte, on entend ce qui va, ce qui ne va pas. Ou certains pourront dans la conversation l'écrire, et puis moi je le lirai pour vous. Voilà, toutes les formules sont possibles. Voilà, sachez que c'est en écrivant que les idées viennent. Donc il faut se lancer, il faut y aller. Et puis si vous ne voulez pas participer, pas lire, bah, gardez pour vous, mais oser, c'est possible. Je cite une autre autrice que j'ai lue récemment qui s'appelle Annie Dillard, qui a écrit dans En vivant, en écrivant, et qui dit: Les mots mènent à d'autres mots et tu suis l'allée du chemin. Donc, vous voyez, un mot amène un autre mot. Et donc, c'est ce qu'on va un petit peu expérimenter pendant cette petite heure ensemble. Voilà, bon, j'espère que vous êtes prêts, ceux qui sont derrière les écrans, voilà, vos stylos sont là et vous êtes prêts à partir. Chouette. Alors, on va démarrer tranquillement par un petit échauffement et un glanage de mots avec un acrostiche. Ceux qui viennent souvent à mes ateliers connaissent ce petit jeu d'écriture, vous avez sûrement utilisé. Moi, je vous ai mis à l'écran un exemple avec le mot jour. Alors, avec le mot jour, on l'écrit de haut en bas. Et moi, jour, ça me fait penser à jardin, à organisation, à ultime, à réveil. Avec la lettre du mot, on essaye de trouver d'autres mots. Donc là, nuit, quatre lettres, avec le N, le U, le I et le T. À quoi ça vous fait penser? Et au fur et à mesure, les participants Zoom, eh bien, vous mettez vos mots dans la conversation. Comme ça, moi, je vais pouvoir les lire là. Et puis, ceux qui sont sur YouTube, mettez-les dans les commentaires et les bibliothécaires. Ah, je vois que Sophie, notre Sophie nous a rejoint. Super, bienvenue. Voilà. Et puis, il y a des coucous entre participants parce que certains se connaissent dans les ateliers Zoom. Voilà. Donc, nuit, l'acrostiche autour de nuit, NUIT. Et vous partagez vos mots dans la conversation, comme ça moi je les donne, et vous reprenez des mots qui vous plaisent en disant: Ah, je n'avais pas pensé à ça. Parce qu'on peut glaner dans l'atelier, c'est ça qui est intéressant, c'est prendre les idées des autres.
Vous qui êtes à la maison avec la chaîne YouTube, et bien tranquillement, famille, tiens, nuit, à quoi ça vous fait penser? Et puis, s'il y a d'autres mots qui viennent, qui ne sont pas avec la lettre N-U-I-T, eh bien, vous pouvez les mettre à côté, hein. Ce sont des propositions que je vous fais. On est bien d'accord. Après, là, vous êtes en train de vous faire un petit stock de mots. Nuit, à quoi ça fait penser? Voilà. Vous avez à l'écran l'exemple. Voilà. Alors, j'ai d'Audrey, nouveauté, union, invention et toujours. Voilà les premiers mots qui arrivent. Super. Alors, allez-y, on continue. J'ai noctambule. Alors, attendez. Oui, j'ai utile, j'ai irréprochable et talentueux de Sophie. Voilà, noctambule. Et puis, il y a des mots qui claquent plus que d'autres qu'on peut prendre. Donc, allez-y, on partage. Arthur nous propose. Nous propose, et ils sont tellement actifs que ma liste descend au fur et à mesure. Alors, je reprends la liste d'Arthur. Nouvelle ubiquité, irréelle et totale. Et une autre Sophie nous propose nouvelle, urgence, imaginaire et temps. Super. Alors, bienvenue aux participants qui arrivent. On est en train de faire un acrostiche avec le mot nuit. Annie nous propose nuit, unité, illumination, terreur. Et Annick nous propose, voilà, Annick, elle s'est offert d'autres lettres et elle a bien raison, c'est toute la liberté de l'atelier, joie, ondine, unie, rêve. Voilà, donc vous avez plein de mots qui arrivent pas à pas. Faites votre acrostiche autour de nuit et faites votre marché, je dis toujours ça, avec les mots des autres en disant, ah, ce mot me plaît bien. Voilà, donc tranquillement, voilà, on est en train de faire notre stock de mots autour de la nuit. Donc, vous avez compris, c'est un petit peu la thématique de ce soir. Ben voilà, on est dans la nuit de la lecture, il fait nuit. Donc, on va écrire là autour. Voilà, alors, vous avez vos quatre mots, vous en avez peut-être d'autres que vous avez pris dans les propositions qui ont été faites dans la discussion. Eh bien, je vais vous inviter à le développer, cet acrostiche. C'est-à-dire que vous avez des premiers mots et là, vous faites un premier texte très, très court. Hein, ça va être voilà, sur un temps court. Voilà, la diapo va arriver. Et donc, comment on développe son acrostiche? Par exemple, moi, avec le mot jour, voilà ce que j'ai fait. Le réveil sonne. Je savoure mes ultimes minutes sous la couette. Déjà, l'organisation de la journée s'offre à moi. Allez, commençons par un petit tour dans le jardin. Voilà, donc j'ai repris les mots de mon acrostiche jour et voyez, j'ai fait trois petites lignes. Donc à vous de faire un premier petit texte que vous allez garder pour vous. S'il y en a quelques-uns parmi vous qui veulent le mettre dans la conversation, pourquoi pas. Mais voilà, c'est un premier petit temps d'échauffement. C'est juste pour expérimenter un petit temps d'écriture. Pour ceux qui sont en famille, eh bien les enfants avec les parents, racontez, voilà, le chrono est parti, comme ça vous avez 5 minutes, ça vous permet de voir un petit peu le temps. Et puis moi, je vais arrêter après de parler pour que vous soyez dans le silence pour écrire, parce que le silence est quand même plus important. Mais juste, je reprends pour les familles qui sont peut-être avec nous ce soir. Eh bien, les enfants, la nuit, racontez déjà avec les petits mots, voilà, quelques petites phrases qui vous viennent. Ce n'est pas forcément un petit texte, c'est juste quelques petites phrases. La nuit, à quoi ça vous fait penser avec, voilà, vos mots que vous mettez ensemble. Tout simplement, on y va tranquillement. Voilà, donc vous avez 4 petites minutes. Je reste là présente et je vous invite à faire votre premier texte. Alors oui, coupez bien vos micros. Je vois que Monique, votre micro n'est pas coupé. Voilà, ça, quand on est en plus, voilà, super, merci. Hein, quand on est retransmis sur YouTube, ça fait plein d'autres bruits. Merci beaucoup. Alors, un petit texte qui arrive, alors je le lis, ça permet peut-être de glaner des phrases. Annick qui nous dit: quelle joie de me rêver Ondine, unie à l'eau douce de la rivière, au clair de lune. La nuit et le clair de lune, peut-être une petite notion à garder bien au chaud pour la suite de nos écritures. Merci, Annick.
Alors, voilà un autre message qui arrive de la part de Sophie, un autre petit texte. La lumière baisse, une nouvelle urgence apparaît où l'imaginaire du temps m'envahit. Une nuit commence. Et on retrouve bien les quatre mots que Sophie nous avait dit au début avec son acrostiche. Merci. Alors, merci Marie-Françoise, nous partage ces mots. Noir ultime, intimité, terrier. Alors, le T avec terrier aussi, hein, plein de choses là autour. Sophie nous partage son texte. Noctambule, chouette. Alors, j'y vais. Noctambule, sous la lune, j'observe les illuminations de la ville au loin. Je rêve sous les étoiles et j'écoute les bruits de la nature. Et Audrey nous propose une nouvelle union se forme. Quelle belle illumination pour notre famille qui nous rend totalement heureux. Voilà, voyez, déjà quatre mots comme vous arrivez à les développer et à créer un univers. Voilà, quatre mots. Alors, nous allons bientôt, il vous reste à peine une petite minute, tranquillement. On est toujours dans l'échauffement. J'en ai un autre à vous partager. Marie-Françoise, dans le noir qui nous entoure, profitons de ces ultimes moments en commun avant de rejoindre l'intimité de notre terrier. Ah ah, texte ambiance un peu couvre-feu, Marie-Françoise. Voilà. Et le noir, hein, nuit et noir, bien sûr, très présent, vous allez le voir dans ce que je vais vous proposer après, Marie-Françoise. Tu as senti ce qui pouvait se passer. Voilà. Alors, le chrono, voilà, il n'y a pas la petite sonnerie, mais voilà, on arrive au bout de ce petit premier temps d'échauffement d'écriture. Et donc, Camille Maxime nous propose, je lis le dernier texte, mais il y en aura peut-être d'autres, dans les nuages, mon ange gardien m'ouvre un chemin de noctambule, incroyablement féerique, devant le nombre titanesque des étoiles. Eh bien oui, hein, le chemin de noctambule. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres petits textes qui vont arriver, que vous partagez ou pas? Mais voilà. Donc, vous voyez, c'est pour montrer, donc vous qui êtes pas dans l'intimité de l'atelier qui est là, vous voyez qu'avec quatre mots, on prend un temps et on peut tout doucement déjà faire un tout petit texte autour de cette thématique. Alors, Arthur est en train de nous poster, il pleure, laissant la peur, laissant le soleil tomber. Ça arrive pas à pas, je le vois saisir en même temps que je lis le texte. C'est une acrostiche, en fait. Ah, merci. Il pleure, laissant la peur, laissant le soleil tomber. Unissant le jour, se coucher. Alors, tu nous l'écris phrase pas à pas. Maudissant l'espace vide. On voit aussi tous vos styles, hein, chacun son style, chacun son univers, irritant le croissant liquide. Narguant les cieux. Donc on commence à deviner l'acrostiche. Arguant la beauté. Tensant et dansant sur les feux. Illumina. Illuminant ma nuit. Voilà. Tiens, il y a un petit compagnon d'écriture qui arrive, qui va sûrement souffler des mots à sa maman. Ça, c'est chouette. Voilà, quand je vous dis qu'on peut écrire en famille et qu'en fait, on peut partager. Hein, voilà.
Alors, j'ai coupé le texte d'Arthur, Or et silence, niant et se liant en confiance. Voilà. Bon, la prochaine fois, peut-être que je te laisserai le micro, comme ça tu pourras le lire complètement et de manière peut-être plus fluide que je l'ai fait là. Alors, je vous disais, et tiens, le petit compagnon d'Audrey, là, va peut-être expérimenter ce que je vous propose maintenant, qui est vraiment un temps d'expérience sensorielle autour de l'écriture. Voilà, on est dans des ateliers créatifs. Et donc, là, je vous invite la nuit. Donc, ça a déjà été dit, on est dans le noir souvent. Donc, je vous propose d'écrire dans le noir. Mais oui, en atelier d'écriture, on n'écrit pas forcément que sur une table, etc. On peut trouver d'autres univers. On peut écrire sur son lit, on peut écrire dehors, on peut, voilà. Eh bien, là, l'idée, c'est d'écrire pendant 2 minutes dans le noir. Je vous ai mis, vous voyez, un beau tableau de Soulages, hein, tout en haut, qui a exploré l'univers du noir. Et je me suis dit que c'est intéressant. Vous reprenez une feuille blanche devant vous. Alors, soit vous fermez les yeux, soit vous éteignez complètement la lumière. Et pendant 2 minutes, vous écrivez tout ce qui vous vient. Alors, ça va aller dans tous les sens. Ça sera peut-être complètement impossible à lire. On ne sait pas. Mais voyez ce qui va surgir. Donc, voilà. 2 minutes, on ferme les yeux ou on écrit dans le noir. Génial. En plus, il y en a qui jouent vraiment le jeu, qui éteignent la lumière. Go, go. Voilà. Osons. Le chrono est parti. Et allez-y. Allez, fermez les yeux. Voilà, Arthur, il se cache les yeux. Génial. Qu'est-ce que ça fait d'écrire dans le noir? Donc, j'espère que le petit compagnon d'Audrey tente cet exercice-là pour voir ce que ça peut faire. Enfin, cet exercice, ce jeu, hein, voilà. Il vous reste 1 minute. Cinq, quatre, trois, deux, un, ouvre les yeux, mettez la lumière. Voilà, ouais, c'est génial, on voit les lumières qui reviennent. Alors, eh bien, regardez cette feuille, regardez ce qu'il y a dessus. Qu'est-ce que vous pouvez utiliser? Qu'est-ce que vous pouvez? Est-ce qu'il y a des mots que vous pouvez ressortir? Est-ce qu'il y a une forme qui ressort? Voilà, tournez-la dans tous les sens, voyez ce que ça a fait surgir. Voilà. Donc, allez-y. Ça, vous le prenez pour vous pour l'instant. Hein, mettez-le de côté. Ça va vous faire un matériau supplémentaire. Mais ça, c'est vraiment le côté ludique hein, dans les ateliers où on essaye d'avoir des petits temps de détente, de décalage autour de l'écriture. Et là, on l'a avec le noir. C'est sympathique de faire ça. Voilà, alors on va continuer avant d'aller sur la première proposition, un petit peu de glanage autour de la thématique de la nuit avec les expressions autour de la nuit. Alors moi, voilà, j'ai trouvé nuit noire, nuit blanche. Qu'est-ce que vous avez, vous, qui vous viennent à l'esprit, que vous pouvez partager dans la conversation? Il y a eu la nuit à la belle étoile à un moment qui a été soufflée. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent? Et puis aussi, il y a des citations que j'ai trouvées autour de la nuit, la nuit porte conseil, la nuit tous les chats sont gris,
pas une citation autour de la nuit, mais en lien avec l'insomnie de notre cher Sylvain Tesson. L'insomnie est un tapage nocturne des pensées. Et on avait nocturne, hein, dans les M tout à l'heure. Voilà. Donc ça, voilà, c'est des petites choses supplémentaires que je vous donne. Mais rajoutez-en vous, qu'est-ce que vous pouvez nous partager? Oui, les nuits magiques, effectivement, démons de minuit. Yes, voilà. Hein, tout à fait. Quoi d'autre? Les nuits secrètes. Ouais. On voit, hein, les univers qui sont en train de se mettre en place. Alors, quoi d'autre? Quoi d'autre? Nuit de Chine. Voilà, tout à fait. Donc, on a, voilà, ululement nocturne. Bleu nuit, tiens, les couleurs. Mais oui, bleu nuit, tout à fait. Nuit étoilée, voilà. La nuit des temps, alors la nuit des temps, le roman de Barjavel, mais quand on dit, ah, yeah, c'est la nuit des temps, ça remonte à la nuit des temps, il y a très longtemps, hein, aussi, donc la nuit des temps. Peut-être des titres de livres ou de films ou de chansons, hein, on a eu Les démons de minuit, il y en a peut-être d'autres qui vous viennent là autour. Et la nuit étoilée, ouais, voilà, hein, ça, effectivement, ça nous fait rêver, ça nous emmène dans l'été. J'ai, voilà. Alors, un roman récent qui est sur La nuit de la lecture, bah, effectivement, Annie, allons-y quand même. La nuit de la lecture, on y est, voilà. Un roman qui est sorti, qu'on doit avoir dans nos bibliothèques de Sens, de Mauvigné, hein, Histoire au pluriel de la nuit, voilà, qui semble très, 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 très riche, que je n'ai pas encore lu. Toute une nuit, que se passe-t-il? Toute une nuit, voilà. Voilà, donc là, on a vraiment, vous avez quand même plein de matériaux, plein d'univers. Eh bien oui, bonne nuit. Bon, on va attendre un peu, mais effectivement, bonne nuit. La nuit, tous les chats sont gris. Voilà, nuit et brouillard. Eh oui, nuit de cristal aussi, hein, ça me fait penser à ça. Voilà, des histoires sombres de notre grande histoire, des moments sombres de notre grande histoire. Ouais, tout à fait. L'éclair dans la nuit. Tout à fait. Alors, on va passer à la lecture d'extraits littéraires en atelier d'écriture. Moi, je m'appuie, comme plein, plein d'animateurs, ben on s'appuie sur l'existant, sur le beau qui existe déjà, hein. On est là pour écrire, mais donnons-nous des impulsions, voilà, des inspirations avec ce qui existe. Et je vais vous proposer la lecture de deux extraits. Alors, la nuit surtout, je ne rêve pas, je vois. J'entends, je marche au bord du trou, j'entends gronder, ce sont les pierres qui se détachent des années, la nuit, nul ne prend garde. C'est un extrait d'un poème de René Cadou dans son recueil de poésie qui s'appelle Comme un oiseau dans la tête. Deuxième, les nuits sont difficiles, j'ai peur, des bourdonnements, des frôlements, de la chaleur et des insectes. J'ai peur de ma propre peur. Je ferme la porte, il fait une chaleur suffocante. J'ai peur de bestioles mal identifiées, mais terrifiantes, qui viennent me grignoter le bout des orteils. La fougère en guise de matelas, c'est dur et ça pique. Encore un mensonge de romancier. Extrait donc de Le bruit de la liberté de l'autrice Frédérique Germano, alors que les Sénonais, Sénonaises connaissent pour certains, puisque Frédérique était venue faire une résidence d'auteur il y a 2 ans à Sens et avait animé des ateliers d'écriture à la bibliothèque de Sens. Voilà. Et Le bruit de la liberté, son dernier roman, où la narratrice part sur les traces de Pascal Quignard. Voilà, un moyen de découvrir l'œuvre de Pascal Quignard. Très beau roman paru à la Clé à la Molette, voilà, cet automne. Voilà. Il y a Oiseau de nuit là, qui vient d'arriver de Marie-Françoise comme autre mot autour de nuit. Alors, deux extraits littéraires, voilà. Super, bah merci voilà, les bibliothécaires de faire le lien. Le bruit de la liberté, voilà, il est là. Et on voit Journal Pauvre, on voit aussi un petit peu tous les livres que a édités. Et Dos au soleil, ses derniers livres, voilà, Journal Pauvre, elle était venue autour de ce livre-là. Elle a fait beaucoup d'interventions autour de ce recueil-là. Donc, c'est un clin d'œil à Frédérique Germano, avec qui on a travaillé. Et puis, parce que, voilà, je trouvais que son extrait fonctionnait très bien autour de la thématique de la nuit. Alors, avec ces deux extraits-là, que vous avez entendus, voilà, qu'on vous a lus, je vais vous faire une première proposition. Alors, je vais la faire on va dire, peut-être à deux niveaux, puisqu'on est petits et grands. Je sais qu'il y a des familles qui sont présentes.
Et donc, les enfants, vous pouvez faire, vous, une liste. Et vous, la nuit, qu'entendez-vous? On va faire la liste des bruits de la nuit. Vous pouvez simplement faire la liste des bruits de la nuit. Mais on a vu que Frédéric Germano, qu'on a le mensonge du romancier. Donc, on peut inventer ce qu'on veut. On n'est pas là pour savoir si c'est juste ou si c'est faux ce qu'on a écrit. D'accord? Donc, on peut imaginer des bruits. Et pour vous qui êtes là avec votre plume et qui avez envie d'écrire, eh bien, vous, comment est le bruit de la nuit? Comment il est ce bruit de la nuit? Hein, la nuit, les nuits, elles sont comment? Faciles, difficiles? Avez-vous peur? Pas peur? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que ça fait? Voilà. Vous avez 5 minutes pour écrire ce petit texte. Et là, je proposerai peut-être à quelques participants du Zoom, ceux qui veulent le lire, ben de le lire. On entend des voix d'écrivains pendant ce temps d'atelier d'écriture ensemble. Voilà. Alors, les enfants, je vous le redis, vous faites votre liste des bruits de la nuit. Qu'est-ce que vous entendez ou qu'est-ce que vous imaginez? Quand vous allez vous coucher, au milieu de la nuit, si vous êtes réveillé, quel bruit vous réveille? Et puis le matin, voilà. Donc la nuit, hein, c'est long, l'endormissement, la nuit et le matin, le réveil, voilà. Je me tais, le chrono est en train de dérouler et il vous reste un peu plus de 4 minutes.
Eh bien, super, le temps est imparti. Je vous laisse boucler votre phrase. Alors, on est sur un rythme bien soutenu parce qu'on est sur 1 heure, mais ça permet à tous ceux qui nous rejoignent sur la chaîne YouTube de découvrir un peu l'ambiance d'un atelier et voir un petit peu ce qui s'y passe, comment ça fonctionne. Voilà. Alors, je vous propose là, les participants Zoom, de nous partager ceux qui en ont envie, votre texte ou un bout du texte, voilà, pour qu'on ait un peu des univers. Voilà. Qu'est-ce qu'on entend la nuit à partir des 2 extraits de René Cadou et de Frédéric Germano que je vous ai lus? Qu'est-ce que ça a évoqué chez vous? Voilà, alors je sais qu'Annick était partante pour le lire. Donc, Annick, si tu veux démarrer, tu mets ton mode ton micro, voilà. Merci et on t'écoute. Les bourras. Alors, recommence, s'il te plaît, on ne t'entendait pas. Vas-y. Voilà. Une nuit ventée. Les bourrasques de vent s'engouffrent sous les volets. Les fonds claqués. Les paillassons volent. Les chaises pliantes se déplient et s'imaginent oiseaux de nuit survolant les jardins environnants. Au bout de la nuit, les bourrasques n'ont toujours pas faibli. Donc, une nuit agitée et on retrouve un oiseau de nuit. Une nuit qu'on a vécue récemment parce qu'on a eu des nuits très ventées ces derniers jours. Merci Annick. Qui veut partager son texte aussi? Faites un petit signe. Ouais, vas-y Camille, Maxime et après Sophie. Super. Alors, voilà, ton micro. Voilà, Voilà. ça y est. C'est parti, vas-y. Ma nuit, c'est ne pas me coucher avant que la fatigue m'abatte. La chaufferie qui ronfle n'est pas réconfortante, quoi qu'ils se disent. La chaufferie, c'est synonyme de feu de la Saint-Jean, mais sans Jean. Bon, j'y gagnerai une nuit à la belle étoile, avec les oiseaux de nuit pour compagnons, afin de faire une nuit de folie câline. Le sommeil a dû me tuer, car je divague sérieusement sur une nuit qui ne me porte pas conseil pour trouver rapidement le sommeil. Ouais, merci. Hein. Donc, on retrouve plein de petites expressions, voilà, que tu as joué avec, tu as tricoté avec. Et les nuits de la Saint-Jean, hein, qui n'étaient pas passées, ou je ne l'ai pas vu passer, mais Oui. oui, hein, les nuits de la Saint-Jean, voilà. Et puis, Sans Jean. Saint Jean, Sans voilà. Jean. Merci, Camille, Maxime. Sophie, à toi. La nuit tombe, il commence dans le bruit de la nature. Ici, un chevreuil aboie, là, une chouette effraie fait entendre son cri. Une dernière fois, le vent caresse les feuilles des arbres, une dernière fois, un chien aboie au loin, et le silence s'installe, lourd, libérateur. Parfois étonnant, souvent accueillant, je m'y baigne et m'y retrouve, rassurée, consciente de faire partie d'un tout qui se pose et duquel je renaîtrai plus tard, tout à l'heure, aujourd'hui. Merci. Mais oui, les bruits, ça peut être le silence. Et le silence la nuit, hein, c'est très inspirateur aussi. Alors, qui d'autre voudrait nous... Bonjour, bien. Ouais, Marie-Françoise? Quels sont? Oui. La lumière éteinte me plonge dans le silence complet. En ville, mais au milieu des jardins, c'est l'hiver, juste un silence feutré, avec parfois la pluie sur la véranda, le vent qui s'engouffre dans le grenier. Et au matin, toujours ce silence. Peut-être le chant d'un oiseau, parfois des chats qui se battent et qui miaulent, et ce sont eux qui signent le réveil. Ah ouais, et ben là, écho, hein, texte de Sophie, avec le silence, voilà, et puis la nuit dans la ville, hein, donc vraiment en fonction des univers et des petits indices que vous donnez dans vos textes, on voyage, on voyage en plein été, on voyage dans la forêt, on voyage dans la ville, voilà, sur des textes très très courts. Merci. Qui d'autre? Oui, Arthur? La nuit, je suis entre ici et ailleurs, entre le mur et mes livres qui patientent. Au clair de lune, j'entends ses rêves et les battements de son cœur, ses silences, ses larmes et parfois ses plaies latentes. Je me sens comme le dragon sur son trésor. Je dors sans dormir, veillant sur son sommeil profond,
entendant mon âme battre de toute ma passion pour que son souffle reste beau et harmonieux comme son corps. Merci. Donc là, un texte adressé, hein, dans le texte d'Arthur à quelqu'un. Et Arthur, tu me tends la main pour la suite, puisque les livres qui patientent, vous allez voir, effectivement, quand on dort, tous nos objets autour de nous sont là. Et qu'est-ce qui se passe avec eux, voilà. Mais peut-être que quelqu'un d'autre veut encore partager son texte. Ça va? Bon. Eh bien, merci. Merci en tout cas pour ces partages. Vous voyez, ceux qui découvrent les ateliers, bah c'est ça dans l'atelier, c'est des moments où on écoute les textes de l'autre, où on voit des univers, voilà, et on voyage, on fait un voyage immobile avec l'écriture, et en ce moment où on peut un peu moins voyager, ben, c'est encore plus précieux. Donc, goûtons aux mots et allons-y. Alors, deuxième et dernière proposition d'écriture de l'atelier. Je vais vous lire, alors il va y avoir trois diapos parce que c'est un extrait un peu long, mais j'avais vraiment envie de vous plonger dans cet univers-là. On va basculer un peu dans le fantastique avec Théophile Gautier qui a écrit de nombreuses nouvelles, et j'ai pris un extrait de La Cafetière. Voilà. Je trouvais que le fantastique collait très bien avec l'ambiance de la nuit. Alors, je vous le lis, j'espère que vous n'entendrez pas mon chat qui n'arrête pas de miauler autour de moi, voilà, ce n'est pas des sons volontaires, il me tourne autour, donc désolée, c'est le direct et c'est le live. Je me déshabillais promptement, je me couchais, et pour finir ces sortes de frayeurs, je fermais bientôt les yeux en me tournant du côté de la muraille. Mais il me fut impossible de rester dans cette position. Le lit s'agitait sous moi comme une vague. Mes pierres se retiraient violemment en arrière. Force me fut de me retourner et de voir. Le feu, qui flambait, jetait des reflets rougeâtres dans l'appartement, de sorte qu'on pouvait sans peine distinguer les personnages de la tapisserie et les figures des portraits enfumés pendus à la muraille. C'étaient les aïeux de notre hôte, des chevaliers bardés de fer, des conseillers en perruque et des belles dames au visage fardé et aux cheveux poudrés à blanc, tenant une rose à la main. Tout à coup, le feu prit un étrange degré d'activité. Une lueur blafarde illumina la chambre et je vis clairement que ce que j'avais pris pour de vaines peintures était la réalité. Car les prunelles de ces êtres encadrés remuaient, scintillaient d'une façon singulière. Leurs lèvres s'ouvraient et se fermaient comme des lèvres de gens qui parlent. Mais je n'entendais rien que le tic-tac de la pendule et le sifflement de la bise d'automne. Une terreur insurmontable s'empara de moi. Mes cheveux se hérissèrent sur mon front. Mes dents s'entrechoquèrent à se briser. Une sueur froide inonda tout mon corps. La pendule sonna 11 heures. Le vibrement du dernier coup retentit longtemps. Et lorsqu'il fut éteint tout à fait... Oh non, je n'ose pas dire ce qui arriva. Personne ne me croirait. Et l'on me prendrait pour un fou. Les bougies s'allumèrent toutes seules. Le soufflet, sans qu'aucun être visible lui imprimât le mouvement, se prit à souffler le feu en râlant comme un vieillard asthmatique, pendant que les pincettes fourgonnaient dans les tisons et que la pelle relevait les cendres. Ensuite, une cafetière se jeta en bas d'une table où elle était posée et se dirigea clopin-clopant vers le foyer où elle se plaça entre les tisons. Quelques instants après, les fauteuils commencèrent à s'ébranler et, agitant leurs pieds tortillés d'une manière surprenante, vinrent se ranger autour de la cheminée. Voilà ce qui peut se passer, hein, parfois la nuit. En fait, ce personnage est arrivé chez un ami, il ne connaît pas les lieux, et quand il va se coucher, il regarde tous ses tableaux qui l'intriguent un peu. Et voilà, au milieu de la nuit, le lit se met à bouger, voilà ce qui lui arrive. On est dans un univers fantastique. Alors, qu'est-ce que je vous propose pour ce dernier temps d'écriture? Eh bien, vous allez vous aussi tenter de basculer dans l'univers fantastique à partir, voilà, d'une illustration qui est un dessin de Paul Rey. Paul Rey, c'est un dessinateur qui a notamment illustré un roman graphique qui s'appelle Jardin d'hiver. Il était présent il y a 2 ans au Salon du Livre à Gron. Certains l'ont peut-être rencontré.
Et il publie très souvent des dessins qu'il réalise sur son compte Instagram. Et il m'a donné l'autorisation de vous partager cet univers-là. Voilà. Donc, l'idée, soit c'est vous, soit c'est un personnage que vous inventez qui arrive dans cet univers. Il s'installe sur la chaise et il y a un objet qui va s'animer. Lequel, pourquoi, que se passe-t-il? Donc voilà, pensez à l'univers hein, de Gautier. Là, il est dans le lit, la cafetière clopin-clopant qui se met à faire quelque chose. Voilà, donc là, on est vraiment dans de l'écriture fictionnelle, inventive. Pensez à l'ambiance de la nuit. Vous avez commencé hein, à le décrire dans le premier texte, donc vous pouvez peut-être reprendre un peu, si vous voulez, l'ambiance de la nuit. Là, c'est éclairé par ce qu'il y a dans la pièce, mais on imagine, on est dans la nuit, on est dans cette pièce. Est-ce que c'est une cuisine? Est-ce que c'est un grenier? Est-ce que c'est un débarras? Imaginez que se passe-t-il et il y a un objet qui va s'agiter et qu'est-ce qui va se passer? Voilà, je vous laisse pendant 10 minutes d'écriture. Là, c'est un temps plus long, c'est le dernier temps d'écriture de notre atelier de ce soir. Voilà. Et les enfants, eh bien, imaginez s'il y avait un objet, lequel, là, lequel pourrait bouger, qu'est-ce qu'il ferait, voilà. Alors là, en général, vous, l'imagination, elle est débordante, donc allez-y, ou une bataille d'objets, deux aussi à la maison, et voir ce qui peut se passer la nuit, vous savez, dans des lieux où on ne sait pas trop, des choses un peu bizarres qui peuvent se passer, donc allons-y, voilà. Donc là, osez dans le fantastique. Alors, ce sont des propositions, si c'est, vous voulez écrire sur autre chose parce que voilà, vous avez envie de tester l'écriture autour de la nuit et de partir dans un autre univers, vous le pouvez, chacun son univers et vous êtes libre d'écrire ce qui vous plaît et ce qui vous fait plaisir. Voilà, donc là, je vais arrêter de parler pour vous laisser dans le silence, tranquillement, vous concentrer. Et à tout à l'heure, et pareil, ceux qui voudront partager leur texte et le lire, le liront, voilà.
Alors, le chrono nous dit 30 secondes. Voilà, donc le temps des 10 minutes, hein, ça passe très vite. Voilà, vous pourrez reprendre le temps de les réécrire. Et puis on est en atelier, hein, je dis en atelier, vous savez, on bricole, on essaye, on voit ce que ça fait. Le but, c'est de vous donner envie de partir sur des temps plus longs en écriture. Et voilà, et d'avoir quelques petits partages. En plus, là, on a un atelier intergénérationnel, même dans l'espace Zoom. Je sais qu'aussi en YouTube, il y a des familles, mais là, on en a une. Voilà, alors est-ce que le compagnon d'Audrey, il veut lire son texte? Est-ce que tu veux nous lire ce que tu as écrit? Un dimanche soir, j'allais dormir chez mamie et j'allais voir mon papy dans le magasin et tout à coup, la plante bougea. Je pensais que c'était un simple courant d'air, mais je vois la plante sortir de son pot. Elle s'accrochait au mur et j'ai vite couru à l'étage. J'ai raconté les faits à ma grand-mère. Elle était sous choc, comme moi. On retourna en bas pour revoir la plante. Mais impossible d'ouvrir la porte. La végétation avait condamné la porte. Mon grand-père était enfermé dans la boutique. Suite à ça, il met à feu à la plante. Il put enfin sortir de la quincaillerie, mais malheureusement, l'habitat prit feu à son tour. Super, et en 10 minutes, ton univers d'imagination, il est énorme, quoi. Et cette plante-là qui envahit là au milieu, ça fonctionne. Bon, tout le monde a l'air de s'en sortir sain et sauf, heureusement, on est rassurés. Merci, voilà, donc l'univers de Bastien qui est venu écrire, super. Alors, qui d'autre veut nous lire son texte? Basculer dans le fantastique et dans ces objets qui se sont agités. Oui, Camille, Maxime, vas-y. Alors, remets ton micro. Alors, le micro. Et bah oui, c'est le petit geste technique. Voilà. Go. Super, merci. Vas-y. Voilà. Donc, c'est loin d'être fini, hein, mais je commençais à y aller. Flûte, zut, la porte s'est rabattue violemment dans le chambranle. Me laissant bien penaud de ne pouvoir sortir. Une tornade de vent s'est levée en quelques secondes, simultanément à d'énormes gouttes d'eau, ne me laissant que quelques instants pour atteindre la cabane du jardin entre les arbres. Il y fait aussi noir que dans l'antre du diable. Bras en avant, je cherche à m'aménager un recoin. Personne ne viendra me délivrer. Des bruits sur le toit me laissent blotti sous une vieille planche et ses deux tréteaux. Et voilà, on attend la suite. Et la suite au prochain épisode. Eh bien, on peut se continuer tranquillement. Et puis, ouais. Tu peux l'envoyer aux bibliothèques, tu peux le partager sur ma page Facebook ou Atelier des mots pour qu'on puisse continuer. Voilà, le temps avance, donc on ne va pas avoir tous les textes. Mais si vous voulez les partager, vous pourrez le faire. Mais bon, on peut encore prendre le temps d'en écouter un ou deux. De toute façon, on n'a plus à ressortir. Hein. Là, il y a le couvre-feu. Donc, voilà, on n'a plus de train à prendre et tout ça. Donc, on peut se donner quelques minutes. Alors, qui veut ouais, Arthur, vas-y, on t'écoute. Et Camille, Maxime, du coup, ferme ton micro. Voilà, pour pas qu'il y ait de bruit parasite. Alors, Arthur, remets ton micro. Vas-y. Mes larmes tombent, suivant le soleil déjà envolé. Crépuscule éclatant, éclipsé par mon triste chagrin. L'ombre au rideau étoilé, a pris sa place jusqu'au matin. Je suis là, spectre gémissant, dans mon amour brûlé. Assis, seul,
triste, le dos courbé, les mains croisées comme un mur. Assis sur cette chaise dans la cuisine délaissée, en mal d'elle, de son charme et de ses yeux patentés, je me relève pourtant à une soudaine voix, répondant tel un apôtre. La tasse bleue de Chine sourit. Sa voix de porcelaine me redonne la foi et le courage. Elle me dit qu'elle m'aime. Mieux, elle me convainc et me persuade de retrouver ma reine. Dans un dernier regard, la tasse bleue nuit me glisse d'écrire un poème. Bravo. Alors, vous voyez, voilà, d'un même univers, d'une même photo, où chacun part, hein, entre la plante diabolique de Bastien, voilà, et là, on a une tasse bleue, voilà, avec un personnage qui est sur la chaise et qui crée un lien avec une autre personne, voilà. Donc, il y a plein de possibilités et de sources d'inspiration en peu de temps, avec les mêmes matériaux, parce que chacun son style, et ça, c'est quand même toujours fabuleux. En atelier d'écriture, le temps d'écoute des textes, c'est toujours, pour moi, un beau moment qui aime écouter les histoires, mais je pense que pour vous aussi. Allez, on s'en écoute encore un de texte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut, qui a envie de le partager encore? Oui, Annie, oui, on ne t'a pas encore trop entendu. Super, Annie, à toi. Pour apprivoiser la nuit, elle se livrait toujours à des rituels précis afin d'être sûre de passer ce tunnel sans encombre et d'en voir la lumière luire au petit matin. Mais aujourd'hui, elle n'était pas chez elle. Elle s'assit sur la chaise et ferma les yeux pour imaginer comment elle pouvait transposer ici ses petits rituels. Au bout d'un moment, alors qu'elle commençait à s'assoupir, un léger frottement se fit entendre. Elle tourna la tête et s'aperçut qu'un des plumeaux accrochés au mur s'agitait de droite à gauche. Elle se demandait quel courant d'air pouvait expliquer cela. Sa tête, étrangement, se mit à dodeliner en prenant le rythme du plumeau qui se balançait de plus en plus vite. Elle tourna résolument son regard vers l'avant et ferma les yeux. Non, elle ne se laisserait pas faire. Elle sentit alors un léger attouchement sur ses jambes qui la fit sursauter, mais le plus étrange fut qu'elle entendit distinctement cette espèce d'ustensile le murmurer. La nuit, tous les chats sont gris. Tu le sais, n'est-ce pas? Alors, pourquoi n'as-tu rien dit? Le plumeau qui vient parler et la chatouiller, hein, voilà. Et ce qui est aussi fabuleux, c'est que vous avez tous choisi des objets différents qui s'agitent, hein. Voilà, les objets, je trouve que ce sont des très bons supports en atelier. On peut les faire parler, on peut leur faire faire plein de choses. Et je pense que quand vous allez, à partir de l'atelier, vous allez observer vos ateliers de manière différente. Et super, voilà, les bibliothécaires nous partagent le livre dont je vous parlais, dont extrait l'illustration que je vous ai proposée. Voilà, Jardin d'hiver, on est en plein dedans, de Paul Rey. Voilà, je pense qu'il doit peut-être être dans nos bibliothèques. Voilà, si vous voulez aller, voyez, hein, je trouve que chaque illustration, merci, super. Vous voyez que chaque illustration peut être un univers. Et on trouve les plantes, Bastien, tu vois, ces plantes qui poussent là, dans ton histoire, eh bien, Paul en a dessiné là, dans cette serre. On est peut-être au moulin à temps, voilà. Le ciel aussi, le ciel peut-être avec un dragon. Enfin, voilà, donc, c'est un support d'illustration, je trouve, qui est très propice pour nous embarquer en écriture. Et je sais que certains parmi vous aiment aussi dessiner. Donc, voilà, ça aussi embarque dans les mots. Merci pour ces partages-là, voilà, d'illustrations qui nous font aussi voyager. Bon, eh bien, écoutez, on arrive à la fin de l'atelier. J'avais une petite diapo, bah, haïku. Vous connaissez mon appétence pour les haïkus. Certains en ont déjà écrit lors des lives qu'on a fait avec Sayonara l'an dernier. Donc, juste là, bah, voilà, je vais vous les lire. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les haïkus, petit poème japonais, voilà, très court, hein, en 17 syllabes, 5-7-5. Marche nocturne, la neige tombe, en adieu à l'année. Nuit brève, combien de jours encore à vivre? Longue nuit, le singe rêve au moyen d'attraper la lune. Voilà, on finit par une petite note d'humour avec notre singe qui veut attraper la lune.
Eh bien, en tout cas, merci pour votre participation aux écrivains qui étaient là dans le Zoom, qui ont partagé leurs textes, partagé des mots, voilà, pour donner, j'espère, à vous qui étiez via YouTube, que ça vous a donné des inspirations pour vous lancer en écriture, voir voilà, qu'avec quelques mots, on peut tricoter et partir. Quand on est en petit atelier, on se passe des mots, voilà, il y a encore beaucoup plus parfois d'interactions. Mais là, je pense que vous avez senti l'esprit de l'atelier. Et juste pour prolonger l'écriture, on a parlé de la nuit, et bien toutes les propositions que je vous ai faites, vous pouvez les rebasculer au jour et faire une écriture autour du thème jour. Voilà, si demain dimanche vous ne savez pas quoi faire, et bien poursuivez. Et puis si voilà, tous les textes n'ont pas été partagés, aboutis, comme l'a dit Camille, Maxime, parce que ça allait très vite, et bien vous pouvez le terminer et puis les partager, voilà, sur mon site Atelier des mots, ou la page Facebook, ou les envoyer à la bibliothèque, et puis on les partagera, voilà, on continuera ce petit temps. Voilà, bah écoutez, c'était un plaisir pour moi de vous retrouver. Je vous dis au revoir. Les participants, voilà, Zoom, on peut faire un tout petit débrief. Et puis, on dit au revoir à tous les participants YouTube qui étaient là, qui ont suivi et qui ont découvert un petit peu ce qu'était l'univers d'un atelier d'écriture. Voilà. Bah oui, merci à vous pour votre participation. Voilà. Merci à l'équipe de la bibliothèque, hein, de faire ce travail de relais, voilà, pour faire découvrir tout ce qu'on peut faire autour de la lecture, autour des mots. Et la lecture amène à l'écriture, voilà. Et je crois que maintenant, vous allez partir sur une activité autour des jeux vidéo. La nuit de la lecture n'est pas finie et ça continue. Donc, ça va être autour des jeux vidéo. Voilà, à 20h, nous précisons. Donc, vous avez le temps de faire une pause, voilà, d'aller peut-être chercher un petit verre d'apéritif si vous voulez. Et puis, 20h, vous pouvez continuer sur l'univers des vidéos. Merci à tous. Voilà. Et puis un petit mot de retour, je vois par exemple Monique là, qui nous a rejoint peut-être pour une première fois, en tout cas dans les ateliers que moi je conduis. Voilà, est-ce que vous avez eu du plaisir à écrire au rythme un petit peu endiablé qu'on vous a proposé ce soir? Mais si vous voulez nous faire un petit retour, vous pouvez. Ou pas, Monique, est-ce que vous m'avez entendu? Ou un petit mot dans la conversation? Bon, écoutez, comme vous le souhaitez. Voilà, bah, écoutez, je pense qu'on peut se dire au revoir. Bonne continuation à tous autour des mots. Et puis, voilà, l'enregistrement YouTube devrait s'arrêter. Voilà, merci à tous.